J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. Je vous montre le colo qui a été... comment on dit ça donc? L'initiateur de tout ça? Ça se dit pas, hein? En tout cas, je vous montre le colo que j'ai publié et pourquoi on m'a demandé de faire ce tuto. Donc, je vous montre, c'était celui-là dans le Kirby Roseanne. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour les feuilles vertes et un tuto pour les fleurs rose mauve ici. Donc, je n'ai pas trouvé d'autres feuilles, des feuilles j'en ai trouvé, mais d'autres fleurs dans ce style-là, dans le Kirby Roseanne. Mais, j'ai trouvé des feuilles. Donc, ça va être sur ce colo-là. Donc, je vais faire une feuille verte avec vous. Et ensuite, pour ce qui est des fleurs, j'en ai trouvé dans mon Mariatroll de Le Luna. Donc, on va se servir pour faire ça va être semblable, hein, c'est sûr, ça sera pas pareil comme ça du Kirby, mais je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Je vais essayer de faire ça le plus ressemblant possible. Donc, ça va être avec ce colo-là. Là, j'arrive pas à vous le montrer. Mais vous allez voir, de toute façon, on va passer plein bureau, donc vous pouvez voir. On va faire une fleur ici, comme ça, ensemble. Donc, ce que je vais utiliser pour faire... le tuto, ça va être les Holbeins, parce que je l'avais fait au Holbein, mais comme je vous dis à chaque fois, hein, vous pouvez aller chercher des couleurs similaires dans vos autres crayons si vous ne les avez pas. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à avoir les Holbeins, mais en même temps, ça va vous permettre de les découvrir, parce que j'avais dit que je ferais une vidéo test avec les Holbeins. J'avais dit que je ferais un colo, puis je l'ai jamais fait finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, je me suis dit, en même temps, ça va vous permettre de découvrir les couleurs pour ceux qui ne les connaissent pas. Et étant donné que c'est des feuilles vertes et des fleurs roses, je pense que vous allez être capable d'aller chercher les combos pour reproduire le tuto. Donc, on va aussi avoir besoin de Posca. Je vais utiliser mon Posca vert, qui est celui-ci. C'est le PC3M et c'est le... vert foncé, donc on va utiliser celui-là. Et pour les petites fleurs, si je me rappelle bien, je vais juste regarder pour être certaine. Il me semble que je les avais... Non, je l'avais pas contourné. Je m'en allais vous dire lui, mais non, c'est pas celle-là. Je les avais contourné en plus pâle. Ouais. Donc moi, j'avais utilisé un Artistro, donc je vais utiliser celui-ci. Et on va probablement aussi utiliser le Uniball blanc. Donc là, on va passer plan bureau et on va commencer tout de suite. Hein? Je ferai pas tous les colos avec vous, je fais une feuille verte et une fleur pour vous montrer un peu comment j'avais fait mon autre coloriage. Et vous allez voir que c'est vraiment en travaillant par hachure que je l'avais fait. J'ai pas fait un dégradé comme à la normale. Oui, c'est du dégradé, mais vous allez voir, de toute façon, vous allez tous voir ça plan bureau. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et on va commencer. Donc, nous revoici dans le bureau avec notre Kirby Roseanne et c'est dans, je pense que je ne vous l'avais pas dit, c'est dans le Fragile World. Voilà. Donc, est-ce que je suis dans le cadre? Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Comme ceci. Ça va être moins difficile pour mon mari de faire le zoom. Et là, je vais essayer de pas trop bouger mon livre pour être certaine de rester dans le cadre. On va faire cette feuille ici. Donc... est-ce que vous voyez bien comme ça? Petit Marie va faire un focus en plus. Voilà. Bon. Alors, je vous dis le combo. Ça va être à quatre couleurs. On va commencer par la couleur la plus foncée. Regardez, brûle, ben, il est en train de devenir tout petit. Ça me fait de la peine. Quand je les aiguise à chaque fois, ça me fait un petit pincement. Ah, mais que voulez-vous, hein? Je les ai achetés pour les utiliser. Il fait pas choix. Donc, je vais utiliser le Fear Green, qui est le OP288. Ensuite, on va aller avec le OP264. On a le Apple Green, OP251. Et une petite touche de jaune, qui est le OP147. Et bien sûr, on va contourner avec notre Posca vert, qui est le vert foncé. Je sais pas pourquoi, hein, à chaque fois que je fais face cam, je vous explique tout ce qu'on va faire, puis quand je reviens plein bureau, je vous explique encore.
Je suis ma meilleure, je me répète. Je pense que vous commencez à être habitué. J'ai pas aiguisé mes crayons pour faire changement. Là, pour le tuto, hein, je vous conseille de bien aiguiser vos crayons, d'avoir des belles mines pointues. Essayez de prendre des crayons qui sont à mine dure. Donc, je vais commencer avec cette feuille-là. Première étape que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment rempli complètement le centre. Donc, je me suis pas cassé la tête pour cette étape-là. Et là, je dégrade ici parce que quand je vais arriver dans ma tige, je vais faire du dégradé. Mais là, ici, vraiment, je vais appuyer et je vais tout remplir. Donc, dans le fond, je vais faire un aplat de couleurs pour ce qui est du centre, pour avoir le centre bien foncé. Et là, c'est certain que si vous arrivez dans d'autres feuilles, que vous n'avez pas le centre comme ça, là, parce que là, dans le livre, ça a donné que la feuille était faite comme ça, mais vous venez tout simplement commencer tout de suite la prochaine étape. Mais là, moi, j'aimais bien l'idée de faire la petite ligne intérieure de la feuille en vert foncé. Tout complet. Donc, je remplis. Et ensuite, on va commencer. Là, vous voyez, là, il n'y en a plus. Fait que je vais commencer à dégrader légèrement comme ceci. Donc, ce que je vais faire, la façon que moi, j'avais procédé, c'est que j'avais fait tout plein de lignes. J'avais fait des petites lignes comme ça, tout au long de ma feuille. Et là, je vais pas jusqu'au bout, hein. Je vais commencer juste ici, sur le rebord, pour que mon rebord de ma feuille soit bien foncé. Et là, pas obligé de remplir tout ici, à ce niveau-là. Même s'il y a des petites lignes blanches, c'est pas grave, parce que quand on va venir mettre notre autre couleur, ben c'est ça qui va nous donner tout notre effet. Donc là, on fait des petites lignes et on appuie quand même sur le crayon pour pas être obligé de repasser 10 ans non plus. Et on essaie de terminer en petites pointes fines le plus possible. C'est pour ça que je vous dis que votre crayon doit être bien aiguisé. Et on suit la courbe de la feuille. Donc, je vais envoyer mes lignes vers... je vais suivre la courbe de la feuille. J'espère que je vous explique ça comme il faut. Là, vous voyez, il faut déjà que je réaiguise parce que j'ai pas pensé. J'aurais dû tout de suite venir faire mon centre et après venir faire mes hachures. Les haut de bain, là, c'est pas les crayons idéaux, je trouve, pour faire cette technique-là. Là, moi, je vous le montre au haut de bain parce que j'avais envie de les utiliser. Mais j'aurais peut-être dû plus aller avec les polychromos. Je crois que ce serait les meilleurs pour faire cette technique-là. Parce que les old bands sont quand même assez gras, hein. Donc, moi, je trouve qu'ils s'écrasent pas tant. Mais quand même, ils s'usent quand même plus rapidement que les polychromos, je trouve. Et, vous voyez, hein, avec mon crayon vert. Donc là, je vais faire ça pour toute la feuille. Et je suis, bien sûr, la courbe de la feuille. Et comme je vous dis, si vous avez des petits endroits où est-ce que vous avez laissé des lignes blanches, c'est pas grave, on le laisse là. Parce que quand on va venir mettre la prochaine couleur, elle va entrer dans cette couleur-là, ce qui va nous donner un bel effet. Donc là, je vous fais un petit peu d'avance rapide, hein, parce que ça va être la même chose tout le long. Donc, j'ai pas... ça sert à rien que je vous dise à chaque fois ce que je fais. C'est la même chose. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, elle s'en va comme ça. Donc, je vais envoyer mes lignes comme ça. Je vais suivre chaque petit morceau de la feuille. Donc, et au besoin, je repasse. C'est un peu comme faire un effet poil, hein. C'est un peu comme ça que je l'ai... Ben, c'est pas un peu. C'est comme ça que je les avais fait mes autres feuilles. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens quand on va changer de couleur. Et là, comme vous pouvez voir, je fais quelques petites lignes un peu plus longues. Je viens juste en rajouter quelques-unes et bientôt, on va pouvoir changer de couleur.
Donc ensuite, je vais aller avec cette couleur-ci qui est le Holy Green, le 264, et je vais procéder de la même façon. Je vais commencer tout de suite dans l'endroit où est-ce que j'ai mis ma couleur précédente, et je vais pas aller jusqu'au bout encore. Donc, je vais continuer de rajouter des lignes, mais je me garde le bout blanc. Donc je vais faire ça partout. Je continue de suivre la courbe, bien sûr, de la feuille. Et je continue de mettre des petites lignes au travers de celles que j'ai mis précédemment. N'oubliez pas de garder votre crayon bien aiguisé et appuyer cette fois-ci. Je vous dis, on n'appuie pas d'habitude, mais là, on appuie parce qu'on veut pas non plus... on travaille pas couche par couche, on travaille vraiment en faisant des hachures. Et on veut pas être obligé de revenir repasser 50 fois sur nos hachures parce que ça nous donnera pas un résultat net. Donc, mettez une bonne pression et quand vous arrivez dans le bout de votre ligne, ben vous relâchez un peu, ce qui va vous faire une pointe bien fine, à condition que le crayon soit bien aiguisé. On veut pas un bourron, sinon ça fonctionnera pas. Ensuite, un coup, j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais y aller avec celle-ci, qui est le Apple Green, le OP251. Et même chose, je vais continuer de faire des petites lignes dans ma feuille. Et là, cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus jusqu'au bout. Et ensuite, on va terminer avec le jaune. Si je vois qu'il y a des endroits ici où il reste du blanc, ben là, je vais remplir complètement. Comme ceci, je vais remplir que où est-ce qu'il y a le plus près de du centre de ma feuille, mais dans le haut, je vais laisser encore une fois des hachures parce que c'est le jaune qui va venir compléter. Donc là, je viens passer ici et je m'arrête où est-ce que mes hachures commencent. Ensuite, quand j'ai terminé, je me rappelle plus. Est-ce que j'avais mis du jaune dans mes autres feuilles? Ouais, je crois que j'en avais mis un petit peu. OK. Donc là, on va pas appuyer cette fois-ci. On va utiliser le 147. Et je vais juste, pour dire, faire un aplat de couleurs et entrer dans mes hachures. Et par la suite, on va revenir retravailler un petit peu avec les couleurs précédentes. Donc là, je vais remplir. J'essaie de pas laisser de blanc, mais j'appuie pas. Parce que je veux pas avoir un jaune trop franc. Je veux quand même que ce soit jaunâtre, mais pas trop. Donc, allez-y pas avec un jaune néon, là, parce que ça va vous donner une feuille un peu... comment je pourrais dire... Je sais pas trop... acide, peut-être, je sais pas. Je trouve pas d'autres mots, mais... phosphorescent, je sais pas trop. Prenez un jaune lumineux, mais pas un jaune néon, mettons. Je sais pas si je suis claire encore. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, je repasse, mais je n'appuie vraiment pas. Et ce qui est de bien avec les Old Bane, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'appuyer pour avoir du pigment. Hein. Vous voyez, j'appuie à peine et la feuille se colore tout seul. Et ben j'ai pas de grains blancs comme les Prismacolor pourraient faire, mettons. Moi, les Old Bane, je les compare un petit peu plus au polychromos pour ça parce que il laisse pas beaucoup de grains de papier. Il est poli non plus, hein, il en laisse pas beaucoup. Vous savez, les petits points blancs là, qu'on essaie toujours d'enlever là, sur les feuilles. Mais les Prismacolor, ils en laissent beaucoup, tandis que les Old Bane et les Polychromos en laissent beaucoup moins, je trouve. Donc là, un coup que j'ai mis mon jaune, je vais revenir avec ma couleur la plus foncée, qui était le 288, et je vais reprendre un petit peu au niveau de la base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas refaire de hachure, hein, je vais juste refaire un petit dégradé par-dessus. Donc, j'appuie sur le rebord et je relâche la pression tout doucement.
C'est juste pour être certaine que à la où est-ce qu'il y a le centre au fond, que ce soit bien foncé pour avoir un beau contraste. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien repasser comme ça. Donc ensuite, un coup que j'ai fait ça, je reviens avec mon autre couleur qui était le 264 et je vais reprendre quelques hachures. Donc je vais en rajouter quelques-unes. Il me semble qu'elle est plus jaune que celle que j'avais fait, hein? Mais en tout cas, j'avais procédé de cette façon-là, mais il me semble qu'elle est plus jaune que l'autre. On va l'atténuer. Je crois que j'avais envoyé un petit peu plus loin, mais on va aller avec le 251. Et là, on va vraiment... On va appuyer un peu pour atténuer le jaune. Ouais, c'est comme ça que j'avais fait, je me rappelle. C'est ça, c'est ça. Donc là, on appuie avec le celui-là. Est-ce que je vous ai dit le numéro? 251, oui, je vous l'avais dit. Donc, on va repasser par-dessus notre jaune. Ça va pas nous donner... ça va nous donner une couleur, au fond. Une couleur un peu verdâtre, un peu lumineux, je dirais. Donc là, on repasse et on entre dans nos hachures. Voilà. Et j'hésite pas à revenir par-dessus mes autres couleurs. Et je fais la même chose de l'autre côté. S'il y a des endroits que j'ai envie de laisser un peu plus jaune, ben je vais pas repasser. Je repasse juste où est-ce que j'ai envie de mettre un peu plus vert. Et pas obligé de mettre le jaune sur toutes les feuilles, hein. On peut faire certaines feuilles avec un petit peu plus de jaune. On sait que dans une forêt, les feuilles sont pas toutes identiques. Donc on peut s'amuser avec ça, à venir mettre sur certaines feuilles, on va mettre plus de jaune. Sur d'autres feuilles, on va en mettre un peu moins. Donc si on met un peu moins de jaune, ben on va envoyer celui-là un peu plus loin sur la feuille pour qu'il reste moins d'espace pour le jaune. Donc, j'espère que c'est clair. Je sais pas. Je suis jamais sûre. Je sais que vous me le dites à chaque fois, mais je suis jamais sûre de mes explications. Des fois, j'ai l'impression d'expliquer tout croche. Donc là, un coup j'ai terminé cette étape-ci, que le résultat me plaît bien. Bien, je vais venir passer mon petit pinceau pour enlever toute trace de coloriage. Donc, je viens frotter. Et là, ça me fait une belle feuille tout luisante, vous voyez. Un coup avoir passé le pinceau, c'est ça qui enlève toutes les traces. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ici, donc... Je le ferai pas à hachure, celui-là. Je vais plutôt faire un dégradé. Donc, je vais utiliser le 288. Et là, je vais faire plus foncé ici, sur le rebord. Je viens comme un peu délimiter. Et je dégrade vers l'intérieur. Un peu comme aussi on ferait, ben, comme à l'habitude, hein, quand on fait nos feuilles. Donc là, je m'assure qu'ici, c'est bien foncé. Je dégrade. Et ensuite, je viens avec le reste de mon combo, le 264. Je vais dégrader. J'entre dans ma couleur précédente et je dégrade vers l'extérieur. Ensuite, j'y vais avec le 251 Apple Green. Je fais la même chose. Et je vais me garder un petit mini bout. Vous voyez, plus que je vais aller avec mon vert, et plus que je vais avoir moins d'espace pour mettre mon jaune. Donc, même chose quand vous allez faire vos hachures, si vous voulez pas trop de jaune dans votre feuille, bien, vous avez juste à moins à aller plus loin avec ce vert-là. Je suis sûre que vous avez déjà compris. Donc, voilà, je termine la feuille avec le jaune.
Je vais peut-être en repasser un petit peu. Ensuite, dernière étape à faire pour notre petite feuille verte, c'est de venir la contourner. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai pris l'habitude de tout contourner parce que quand je contourne pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas... c'est moins vibrant, on dirait que ça fait plus sortir les couleurs. Là, je veux juste être certaine que c'est ce verre-là que j'avais utilisé. Je les avais même pas contournés, ceux-là. Mais là, j'ai envie de les contourner. Donc, je vais le faire. Ça vous donne les deux styles que si je l'aurais contourné. Là, je vais brasser bien mon Posca pour être certaine qu'il est correct. Un petit test. OK. Donc là, je vais pas venir contourner par contre dans le centre. Je vais contourner que le contour de la feuille. Donc, je pars à peu près ici. Et dans le fond, ce que je fais, hein, ben, c'est que je cache les lignes de l'illustrateur, finalement. Donc voilà ce que ça donne pour la petite feuille verte à hachure. Donc c'est comme ça que j'avais procédé et je trouve que c'est vraiment rapide à faire. Et si vous voulez pas avoir, mettons, comme je vais vous montrer sur celui-là. J'avais fait des plus grands espaces entre mes hachures. Donc si vous avez envie que ce soit un peu plus... un peu moins foncé dans le centre, mais ce que vous allez faire, c'est que... vous allez distancer vos hachures un petit peu plus. Donc, on va laisser... Vous voyez, je laisse des endroits blancs. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez avoir moins foncé pour le centre. Donc, vous voyez, c'est vraiment la façon que vous allez les travailler. Si vous les collez toutes comme ça, ben vous allez avoir un centre beaucoup plus foncé que si vous les distancez entre eux. Voilà. Là, moi, c'est sûr, je vais les faire toutes collées parce que je veux... Et là, quand vous n'arrivez pas à bien remplir, vous pouvez toujours venir, comme je vous dis, tracer. Vous voyez, celui-là, il n'y en avait pas hein, de ce truc-là là, que Kirby Rosan avait dessiné. Mais moi, je l'ai quand même tracé, le milieu. Vous voyez, je le trace. Et là, après, ben, j'ai juste à venir placer mes hachures directement dessus. Donc voilà pour le tuto feuille. Maintenant, on va passer aux fleurs. Et ça va être de la même façon. Je veux juste être certaine que mon Posca est bien sèche. Et là, ben, j'ai un bel encours à faire. Bon, je vous ai fait bouger. Désolée, j'ai accroché mon fil. Donc là, je vais mettre mon combo de côté parce que je vais devoir terminer ce coulo-là. Donc là, on va s'en aller dans le Luna. Comme je vous ai dit, on va faire les fleurs dans le Luna. Donc, le colo, c'est celui-ci. Et je me suis dit que les fleurs ressemblaient beaucoup à ceux qu'il y avait dans le Kirby. Donc, je me suis dit que ça allait fonctionner. Donc là, je vais juste aller me chercher tes petites feuilles pour protéger. Donc, je vais continuer dans les Holbein. Hein. J'avais fait mes fleurs au Holbein aussi. Donc, je vais continuer dans ce livre, dans ces crayons-là. Je vais faire celle-là avec vous. Donc, on va commencer avec le Amethyst, qui est le OP446. Et même principe que les feuilles. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par faire des petites hachures pour ma fleurs. Donc, on aiguise bien notre crayon. Et cette couleur-là, hein, elle est facilement trouvable dans les Prismacolor, dans les Polychromos. Vraiment, vous n'aurez pas de difficulté à trouver cette couleur-là. Et là, je m'assure que ma base ici est bien foncée. Donc, je vais venir la colorier. Et ensuite, je vais faire mes hachures à partir de là. Donc, je colore bien foncé et au besoin, si vous trouvez que c'est pas encore assez foncé, par la suite, vous faites toujours venir rajouter un petit peu de noir dessus
Donc là, j'essaie d'y aller vraiment en petite ligne fine pour ma finition dans le haut. Et là, j'appuie à la base et je relâche pour faire des belles lignes fines. Donc, je vais faire ça pour chacune des pétales dans le bas et on va venir en faire dans le haut aussi. Donc, faites attention de ne pas aller trop loin avec vos petites lignes. Donc, même chose, on suit toujours la courbe de la fleur, hein, bien sûr, la courbe de la pétale. On peut même se servir des lignes déjà existantes sur les colos. Souvent, on va avoir des petites lignes comme ça, donc je la suis. Et la même chose sur l'autre pétale, je vais procéder de la même façon. Et là, pour ce qui est du haut, ben, je vais faire la même chose. Par contre, je vais commencer à me faire un petit bout foncé que je vais dégrader un petit peu comme ça. Et là, à partir de ce bout-là, je vais venir me faire mes petites lignes. Là, par contre, on va pas en mettre trop dans le haut. On va faire juste quelques lignes comme ceci pour créer la pétale. Et là, je peux même en mettre ici un petit peu. Et je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais faire la même chose pour l'autre bout de la pétale. Je colorie un petit peu. Je garde mon bout bien foncé et je relâche la pression pour descendre dans le bas de ma fleur. Et là, encore une fois, ben, je vais faire des petites lignes. Donc, je fais la même chose sur chacune des pétales. Là, je viens foncer la base. Je vais pas trop entrer dans les hachures. Je veux juste que le bas de la fleur soit bien foncé. Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais y aller avec le numéro 436 qui est le fuchsia. Et même chose qu'on a fait avec nos feuilles vertes, ben on va continuer de faire des petites hachures. On fait attention de se garder du blanc dans le centre de la fleur parce qu'on veut avoir un reflet de lumière ici. C'est ce que j'avais fait dans mes autres fleurs. Donc, je continue de rajouter des petites lignes. Et ensuite, je vais terminer avec le blanc. Allez-y avec votre blanc préféré. On aurait pu se rajouter une autre couleur. On aurait pu se rajouter encore un autre rose. Mais moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Bon, je trouve que ma base n'est pas encore assez foncée. Donc, peut-être que je vais venir travailler avec du noir par la suite. Là, je vais repasser un petit peu avec ma couleur la plus foncée ici. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un beau contraste entre le bout des feuilles, des pétales et du centre. Donc, c'est pour ça que je vais insister sur l'intensité des deux bouts. Donc là, je vais y aller avec le blanc. Est-ce que j'utilise mon Prismacolor ou je prends celui des Aubaines? J'aime mieux celui des Prisma. Je vais y aller avec le Prisma. On va jouer avec le pigment. Donc là, je pars à peu près ici. Et là, j'appuie avec mon blanc. Hein, et je vais venir tout remplir. Et là, j'essaie d'étirer
mon pigment. Donc, ça va me colorier un peu mon centre, mais pas trop. Ça va me garder quand même une belle lumière dans le centre. Donc là, je viens étirer. Vous voyez qu'on commence à voir que la fleur commence à se colorer, hein, commence à devenir un petit peu rosée dans le centre. Et je vais la garder comme ça. Et ça va aussi me permettre de que mes hachures deviennent un petit peu plus fines en faisant ça comme ça. Donc, je commence ici et j'étire mon pigment jusqu'à ce que le résultat me plaise. Et je mets quand même une bonne pression sur mon blanc. Hein. C'est un peu comme si je voudrais blinder. Et moi, les fleurs, je les travaille souvent comme ça. Et je trouve que c'est très rapide. Et ben, ça donne vraiment un beau résultat, je trouve. Donc, vous pouvez vous amuser à mettre n'importe quelle couleur, surtout en hachure, ça se mélange bien ensemble. Et si vous avez envie de mettre, je sais pas moi, du mauve et du turquoise ensemble, ben faites des tests, faites pas des tests dans vos livres, faites des tests sur une feuille, dessinez-vous une pétale, hein, même si elle est pas parfaite. Vous faites un petit test, vous essayez votre combo, est-ce que vous aimez le résultat? Oui, bon, go, on y va sur la feuille. On se pratique pas dans nos beaux livres, surtout pas dans le Luna. Donc là, je termine ma dernière pétale. Et là, avant de venir contourner ma fleur, je pourrais la laisser comme ça. Mais j'ai quand même envie de venir rajouter un petit peu plus de foncé. Donc, je vais reprendre ma base. Et là, j'appuie pas, hein. Je vais juste reprendre la base. Et là, je suis avec le OP446. Et je vais rajouter quelques petites hachures avec celui-là. Donc, vous voyez, ça vient comme un petit peu plus donner de couleur à ma fleur. Et ça me garde quand même les autres hachures qu'on a créées en étendant le pigment avec le blanc. Ça, c'est vraiment au goût, hein. Vous en rajoutez comme vous voulez jusqu'à ce que les résultats soient satisfaisants à vos yeux, hein. L'important, c'est que vous aimez votre colo en premier lieu et bien sûr de s'amuser. Ensuite, un coup, j'ai terminé de faire ça. Je vais passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Et là, j'ai le choix soit de laisser ça comme ça, soit de venir contourner avec du blanc, que j'aime bien faire avec cette couleur-là. Mais là, cette fois-ci, je vais contourner avec mon petit rose comme ça. C'est un genre de petit rose pastel. J'aurais pu aussi contourner avec un autre rose plus foncé. Donc, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Ou si vous avez envie tout simplement de venir contourner en mauve, ça peut être beau aussi. On pourrait contourner avec du argent, mettons un stylo gel argent. Mais là, moi, je vais faire avec mon petit rose pastel. Donc là, je vais le brasser, hein, parce que les artistes roses, faut les brasser beaucoup avant qu'ils aient une bonne couleur. Je vais me prendre une petite feuille pour le tester, voir s'il est correct. Vous voyez, à peu près, il faut qu'il y ait cette texture-là. Donc, je me fais un petit test. Là, il n'est pas correct, hein, parce qu'il sort comme un crayon feutre. Il faut vraiment qu'il ait la texture de la peinture. Là, vous voyez, il n'est toujours pas correct à utiliser. C'est ça que c'est la seule chose que je reproche aux artistes trop. Ils sont longs avant de starter. Quand ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés, là. Là, vous voyez, je commence à avoir une texture de peinture. Il devrait être opérationnel à bientôt. Voilà. Vous voyez, là, c'est cette texture-là qu'on a besoin avec le Artistro pour venir camoufler les lignes du colo. Donc là, ben, tout simplement, hein, je vais contourner ma fleur. Donc, voilà ce que ça donne pour la petite fleur. Et là, vous avez le choix, si vous voulez, de venir rajouter
petite touche, soit de magie ou l'impression que la fleur soit ait des petites gouttes d'eau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir rajouter quelques petits points blancs avec mon Uniball. Je fais souvent ça sur mes fleurs. Je vais rajouter quelques petits points blancs comme ceci. Donc, ben voilà, hein, pour la fleur, là, je vous remontre ce que ça donne. C'est sûr, c'est pas les mêmes fleurs, mais c'est pas mal de cette façon-là que j'avais fonctionné. Donc, vous voyez, ici la fleur et celle-là, c'est dans le même style. Je crois que j'avais mis un petit peu de noir dans les bouts pour que ce soit plus foncé. Donc ça, c'est vraiment au choix. Moi, j'avais envie de la garder toute douce comme ça parce que j'ai déjà une idée pour ce colo-là et j'avais envie qu'il soit doux. Donc, voilà ce que ça donne pour la fleur et pour notre feuille verte. Où est-elle rendue? Je ne trouve plus la feuille. Elle est là. Virginie, cherche mes feuilles. Donc voilà pour la feuille. Et même elle, je crois que je viendrais lui mettre des petits points blancs. Là, j'ai peur que le Artistro soit pas sèche. C'est pour ça que j'ose pas trop. Je vais enlever le livre. Comme ça, je ferai pas de gaffe. Je vais mettre les deux côtés. Et pour cette feuille-là, aussi, je mettrai des petits points blancs. Là, bon. Juste quelques-uns comme ça pour rajouter un peu d'éclat, un peu de magie dans ce colo. Voilà. Donc, ben, c'est tout, hein, je vous avais dit, on fait une fleur et une feuille, donc c'est fait. Alors, j'espère que ça pourra vous aider et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans la Banque Colo de Zazou si vous avez envie de partager avec nous et de participer à Colorions Ensemble, le thème du mois, la palette de couleurs qui a lieu du 15 au 15. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça vous emmène directement dans la Banque Colo d'Azou. Vous allez avoir un temps d'attente parce qu'il faut faire une demande d'approbation. Mais vous allez voir qu'on n'attend pas très très longtemps parce qu'on est trois filles à s'occuper du groupe. Donc, c'est assez rapide pour accéder au groupe. Donc, voilà. Et aussi, n'oubliez pas aussi que vous pouvez participer au concours des 2000 abonnés. Je vous mets la vidéo dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.